Merci pour ta présence douce et agréable. Je crois au miracle. Je crois en ta puissance. Je crois en ta présence. Je crois qu'aujourd'hui et maintenant, quelque chose de grand, quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux arrive dans nos vies. Merci pour cette parole de ce matin, édifiante, puissante et qui nous guide dans les sentiers de la justice, dans la vérité. Nous apprenons ce matin par la puissance de ta parole la capacité, ô Dieu, de développer encore notre vie de méditation de la parole de Dieu. Merci pour l'efficacité de ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous une joie ce matin de venir dans vos maisons au travers de ce merveilleux culte. Il s'agit ici du culte de découverte, un culte dans lequel nous enseignons la parole de Dieu et nous découvrons de nouvelles choses concernant la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 7, de demander et nous recevrons. Dieu est bon et je crois de tout cœur que si nous demandons certaines choses, si nous demandons tout ce qui contribue à notre bonheur, Dieu nous le donnera. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons, en fait, nous appliquer pour parvenir à les obtenir, telles que la pratique de la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas le devoir de Dieu, ce n'est pas à Dieu de lire la Bible pour nous, c'est ce que nous voulons dire. Dieu ne fait pas l'effort de lire la parole de Dieu pour nous. C'est à nous de faire cet effort de lire la parole de Dieu afin que cela soit une bénédiction pour nous. Nous avons vu depuis dimanche passé, nous avons commencé l'enseignement sur les méthodes de la lecture de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler du deuxième chapitre. Le premier chapitre, nous l'avons évoqué dimanche passé. Aujourd'hui, au deuxième chapitre, nous parlerons des pièges de Satan, les pièges de Satan pour nous empêcher de lire la Bible. Les pièges de Satan pour nous empêcher de lire la Bible. Avant tout, vous devez vous souvenir que la fois passée, nous avons évoqué que la lecture de la Bible est vue aux yeux de Satan avec une toute autre définition. Car il sait, par exemple, que c'est dans la Bible que se trouve la parole de Dieu. Donc, quand Satan nous combat, il nous combat en fonction de ce qu'il sait que représente la parole du Seigneur. Il sait, par exemple, que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Alors, s'il vous voit lire la Bible, il vous voit en train d'armer, autrement dit, une manière de parler, de vous armer ou d'armer le Seigneur, ou encore de donner plus de résultats à votre vie. Quand le diable vous voit prendre la Bible, le diable vous voit prendre une arme de destruction massive pour le monde des ténèbres. La parole de Dieu qui se cache dans la Bible est très difficilement lue par les enfants de Dieu, et ce à cause de beaucoup de pièges que Satan place, que Satan orchestre dans nos vies. La plupart d'entre nous, nous trouvons toujours une bonne, mauvaise raison de ne pas lire la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous avons toujours une justification qui semble être correcte et qui nous fait voir qu'en réalité, je ne pouvais pas lire la Bible ce jour-là. Et je vous invite à la repentance si de tels raisonnements sont vôtres. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des pièges, n'est-ce pas? Des pièges de Satan pour nous empêcher de lire la parole, de lire la Bible. Alléluia. Alors, première chose que vous devez savoir que Satan est défini dans la parole de Dieu comme étant le voleur ou le dérobeur, l'égorgeur et le meurtrier. Jean chapitre 10, verset 10. Satan ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Dans la parole de Dieu, ce texte démontre la nature de Satan. Et la nature de Satan, sa façon d'être, définit sa façon de faire.
L'homme ne peut pas s'éloigner de ce qu'il est. Satan ne peut pas s'éloigner de ce qu'il est. Comme il est voleur, il continuera à voler. Comme il est égorgeur, il va égorger. Et comme il est meurtrier, il va tuer. C'est pourquoi, si nous voulons comprendre les pièges de Satan pour nous empêcher de lire la parole de Dieu, de lire notre Bible, nous devons savoir que ces pièges s'inspirent de ce qu'il est. Donc, cela veut dire que toutes les actions de Satan ont pour but de voler, d'égorger et de tuer. C'est ce qu'il est. Donc, si le diable veut nous empêcher de lire la Bible, le diable nous empêchera de lire en fonction de ce qu'il a l'habitude de faire. Il a l'habitude de voler, il a l'habitude d'égorger, il a l'habitude de tuer. Nous pouvons résumer cela pour dire la deuxième chose qu'il faudrait retenir. C'est que la mission de Satan vis-à-vis de notre programme de lecture de la Bible est, premièrement, Satan veut voler ou bien dérober notre temps de lecture de la Bible. Parce que la Bible dit qu'il est dérobeur. Donc, Satan est dérobeur, il vole. Donc, première chose que Satan fait, Satan veut nous voler ou bien nous dérober notre temps de lecture de la Bible. La deuxième chose que Satan fait, Satan veut égorger ou encore étouffer notre temps de lecture de la Bible. Et troisièmement, Satan veut tuer notre désir ou encore il veut tuer notre temps de lecture de la Bible. Ces trois actions de Satan contre votre lecture de la Bible sont en fonction de ce qu'il est. Vous savez que Jean 10:10 nous a dit qu'il est voleur, qu'il est égorgeur et qu'il est meurtrier. Donc, Satan, premièrement, voudra voler votre temps de lecture. Deuxièmement, Satan voudra égorger votre temps de lecture. Égorger le temps de lecture peut aussi être compris comme étant étouffer le temps de lecture. Et enfin, Satan est un meurtrier. Satan voudra tuer votre temps de lecture. Voilà en résumé les trois actions de Satan pour empêcher notre lecture de la parole de Dieu. Mais dit de cette manière-là, nous n'arrivons pas nécessairement à cerner, selon notre quotidien, comment il fait pour voler, comment il fait pour égorger, comment il fait pour tuer notre temps de lecture de la Bible. C'est pourquoi nous allons nous poser la question du thème, quels sont les pièges alors que Satan met en place pour pouvoir voler, égorger et tuer notre temps de lecture de la parole de Dieu. Voici la première liste de pièges de Satan ayant pour but de voler notre temps de lecture de la Bible. La première liste de Satan a pour but, n'est-ce pas, de faire la première action qui a été définie, que c'est un voleur. Donc, la première liste que nous allons évoquer ici sont les différentes stratégies, les pièges que Satan place, les différents pièges aussi que Satan place pour pouvoir nous voler notre temps de lecture de la parole de Dieu. Alors, voici la liste. Pour voler notre temps de lecture de la parole de Dieu, premièrement, Satan nous vole notre temps de lecture de la parole de Dieu par les occupations. Vol par occupation. Retenez cette expression, vol par occupation. La meilleure manière de voler, c'est d'égarer votre attention sur une chose pour que le voleur puisse vous prendre ce que vous avez. Nous étions en train de passer sur la route, ceux qui connaissent la ville de Kinshasa se souviennent très bien de Delvaux. Il y a toujours un amas de personnes qui se rassemblent par là, les traversées sont très compliquées. Alors les gens se collent et se frottent pour pouvoir passer la rue. Et là nous avons vu un bien-aimé qui s'est approché de celui qui traversait et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire semblant comme s'il était un aveugle. Alors tout le monde, donc, sachant que la personne était un aveugle, a détourné les regards de cette personne et il a piqué le téléphone du monsieur, impuissant de réaction. Et nous aussi, on regardait, on était en train de passer, on était très déçus, pas moyen de s'arrêter, ni même de l'interpeller, il avait déjà disparu.
Les voleurs savent que pour voler une chose, il faut toujours le faire lorsque vous n'êtes pas attentif. C'est pourquoi le plus grand moment du vol, pour tous les voleurs, ils savent que c'est quand on dort la nuit, ils volent aisément ou encore ils font en sorte que vous ne puissiez pas faire attention. Et la première forme de vol que Satan utilise pour pouvoir voler notre temps de lecture de la parole de Dieu, c'est le vol par occupation. Le vol par occupation, c'est en fait le fait de pouvoir avoir beaucoup de choses à faire dans la journée. Vous êtes tellement occupé, mais vous ne savez pas que le fait d'être occupé fait que Satan soit occupé à voler votre temps de lecture de la Bible. Nous lisons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 10, 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Alors, le vol par occupation vous donne beaucoup de choses à faire, des choses qui vous sont permis, travailler c'est permis, aller à l'école c'est permis, bref, toutes les choses que vous faites sont permises, mais sauf que vous n'avez pas fait attention, que vous avez fait toutes les préoccupations que vous avez, mais vous n'avez pas fait ce qui était nécessaire pour édifier votre âme, c'est-à-dire lire la Bible. Il n'y a aucun programme de travail qui devrait détruire votre programme de lecture de la Bible. Quand vous remarquez qu'aller au travail détruit votre programme de lecture, ce n'est pas le travail qui est un démon, c'est vous qui n'avez pas la sagesse, la méthode pour lire la Bible de manière à ce que votre travail ne soit pas un obstacle. Aujourd'hui, vous devez comprendre simplement que le travail que j'ai est bon, le travail que j'ai est pour ma maison, mais cependant, il y a des choses aussi très utiles, telles que la lecture de la parole. Et le diable va faire en sorte que mon cœur puisse être tellement attaché aux occupations, au point que j'oublie la lecture de la Bible. C'est la première méthode que Satan utilise dans le vol pour nous voler notre temps de lecture. La deuxième méthode que Satan utilise pour vous voler votre temps de lecture de la parole, c'est le vol par une autre spiritualité. Le vol par une autre spiritualité. Tout simplement, ici, il s'agit d'une spiritualité, nous parlons de quelque chose de bien, de quelque chose que vous faites pour le Seigneur, mais que vous faites pour le Seigneur, que vous ne faites pas nécessairement avec le Seigneur, mais vous faites ça pour le Seigneur. Alors, il vous vole votre temps de lecture par une autre spiritualité. Il vous occupe à faire une toute autre spiritualité. Pendant ce temps, lui, il vous vole le temps de lecture. De manière pratique, ça veut dire que lorsque les frères sont venus me chercher pour aller évangéliser, j'étais sur le point de lire la Bible, je dis « Ok, allons évangéliser ». Alors, lorsque nous partons évangéliser, à mon retour, je me rends compte que je n'ai même plus le temps de lire ma Bible. J'ai fait une autre spiritualité et qui m'a volé ma spiritualité de lecture de la parole de Dieu. Vous avez compris? C'est pourquoi il est écrit dans Luc chapitre 10 au verset 42 « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ceux qui ont lu le chapitre 10 de Luc savent qu'il s'agit ici de Jésus qui est dans la maison de Marie, de Marthe et de Lazare. Dans cette maison, Marie s'occupe de Jésus en venant, elle se met à côté de Jésus, pardon, et Marthe s'occupe de Jésus dans la cuisine. Ce que Marthe fait pour nourrir l'homme de Dieu peut transformer son existence. La Bible nous enseigne que l'offrande que nous apportons à Dieu peut transformer notre existence. N'est-il pas écrit de manière claire que lorsque vous donnez un verre d'eau à l'un de mes plus petits parce qu'il est juste mon disciple, vous ne manquerez pas votre récompense? Bien évidemment, c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus n'est pas l'un de ses disciples, Jésus est le maître. À combien plus forte raison, si l'eau que l'on donne à un disciple peut être source de notre bénédiction, l'eau que l'on donne au Seigneur Jésus transformera notre existence. À cause de l'eau de la femme samaritaine, elle a pu emmener l'évangile dans toute la Samarie, ce qui veut dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Marthe, sachant que Jésus était dans sa maison, voulait donc offrir à son maître, n'est-ce pas, ce qui était nécessaire pour son corps. Mais Jésus répond en disant, « Non, Marthe, toi tu t'inquiètes pour peu de choses, une seule chose est nécessaire et c'est Marie qui a choisi la bonne part. »
Ce qui veut dire ici que ces deux femmes, Marie et Marthe, étaient en train de faire des choses spirituelles avec des récompenses ou des conséquences spirituelles. Marthe nourrissait le Seigneur avec conséquence spirituelle que la paix de Dieu vienne se couvrir sur la maison. Marie écoutait la voix du Seigneur avec comme conséquence spirituelle de grandir dans la connaissance de Dieu. Les deux ne sont pas mauvais, mais chaque chose a son temps. Et du coup, Jésus a fait remarquer que Marthe faisait une autre spiritualité qui l'empêchait de faire ce qu'elle devrait faire normalement, c'est de l'écouter. Donc vous pouvez faire une autre spiritualité, mais qui vous détruit la lecture de la parole de Dieu. Soyez sages, privilégiez la lecture de la parole de Dieu, car faire une autre spiritualité au profit, ou bien en détruisant votre programme de lecture, cela revient à dire d'arroser une autre plante sans vous arroser vous-même. Donc, vous finirez par sécher et vous ne comprenez pas, mais pourquoi ça ne marche pas? Ces derniers temps, ma vie, ça ne tient pas. Je sers le Seigneur, mais ça ne tient pas. Voilà, vous servez le Seigneur, vous faites une autre spiritualité, mais vous ne vous attachez pas à la spiritualité essentielle et quotidienne de la lecture de la parole de Dieu. Troisième stratégie de Satan, il vole, n'est-ce pas? Toujours dans les, nous parlons des pièges de Satan. Nous sommes en train d'évoquer la liste des pièges que Satan met en place pour voler. Nous étions en train d'expliquer qu'il vole, n'est-ce pas? Il vole comment? Le vol par distraction. Nous avons dit qu'il vole par occupation, il vole par une autre spiritualité. Troisièmement, il vole par distraction. Le vol par distraction, je vais lire la parole de Dieu pour l'expliquer dans le nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 35 nous dit ceci. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ce texte dit, vous attachez au Seigneur, comment? Sans distraction. Ce qui veut dire, la distraction nous fait quoi? Nous détache du Seigneur. Alors, ce texte des Écritures démontre donc que c'est une stratégie démoniaque de nous distraire pour pouvoir nous voler notre présence, la voler ou encore nous éloigner de la présence de Dieu. Alors, le diable vole notre lecture de la Bible par la distraction. Nous appelons distraction pas toute chose qui nous fait rire, parce que tout ce qui vous fait rire n'est pas distraction. La Bible nous dit d'être tout le temps joyeux, et la joie ne veut pas nécessairement dire rire, mais c'est un sentiment de cœur qui vous met à l'aise et qui vous donne un espoir de vivre heureux sur la terre. La distraction, par contre, c'est le fait de pouvoir distraction, c'est le fait de pouvoir nous éloigner de ce qui est nécessaire. La distraction, c'est le fait d'apporter une attention sur une chose qui ne nous profite pas au présent, qui ne nous profite pas au moment où nous en avons besoin. Je vais expliquer cela. Tout ce qui est distraction n'est pas nécessairement démoniaque à vue d'œil. Par exemple, le fait de jouer au football est une belle distraction, ça vous permet de vous relaxer. Vous en avez besoin. Le sport est une belle distraction que nous pouvons prendre ainsi. Si vous faites cela de temps en temps, je dirais une distraction, mais je pourrais conseiller de le faire régulièrement, pas comme étant une distraction, mais comme étant une activité qui vous permet d'être bien dans votre corps, car c'est le corps qui porte l'esprit. Mais la distraction, ce n'est pas une chose que vous faites dans un intérêt d'obtenir, dans un intérêt présent. Vous le faites comme ça. Vous ne le faites pas pour bénéficier un intérêt présent. Par exemple, le sport que vous faites chaque matin, vous le faites dans un intérêt présent. Mais le sport, parce que les amis vous ont dit dimanche, on va aller marcher un peu et puis on va s'arrêter dans un restaurant, boire un peu quelque chose, c'est une distraction. Parce que là, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour votre bien-être. Vous le faites en fait pour finir, après avoir dégagé les calories en marchant, vous allez vous reprendre des calories, non seulement des calories, mais aussi des démons dans un bar. Parce que vous partez dans le bar et vous vous mettez à boire et à commencer à courtiser d'autres femmes. Ce que vous aviez fait au départ était bien, mais c'était une distraction. La preuve, vous n'avez pas tenu de conserver l'intérêt de votre sport. Vous êtes allé encore pour vous
emmagasiner des calories. Voilà un peu l'ensemble de distractions. Vous pouvez voir dans votre vie les choses que vous appelez distractions, telles qu'aussi regarder la télévision peut être une distraction. Lorsque ce qui est dans votre télé ne vous profite pas présentement, ça devient une distraction. Quand ce que je fais ne sème pas dans ma vie quelque chose pour ma vie, c'est une distraction. On ne donne pas ses yeux pour regarder ce que sa vie n'a pas besoin. On ne donne pas ses mains pour faire ce dont sa vie ne profite pas. On ne donne pas ses pieds pour faire avec ses pieds ce dont vos pieds n'ont pas besoin pour avancer. Vous devez faire les choses qui vous profitent. Le temps de distraction définit le temps de non-concentration dans les choses de Dieu. La distraction doit être bien contrôlée. Il est très souvent dit aux serviteurs de Dieu et à ceux qui marchent, en tout cas qui servent le Seigneur, que votre distraction doit être contrôlée pour qu'elle ne soit pas une distraction, mais un plaisir, un loisir pour pouvoir vous détendre et être bien dans votre peau. Satan nous vole notre temps de lecture par des distractions. Si vous pouvez regarder une série pendant une heure et lire la Bible pendant 30 minutes, la série est une distraction. Tout ce qui peut vous prendre plus que la parole ne vous prend devient votre maître. Alors vous devez tout le temps éviter de chercher à ce qu'un pasteur vienne confirmer votre chrétienté. Non, vous-même vous le savez au-dedans de vous que vous n'êtes pas sérieux quand vous n'êtes pas sérieux. Vous-même vous savez au-dedans de vous que je ne lis pas la Bible comme le Seigneur l'attend. Donc c'est quelque chose que nous savons et nous vous demandons de comprendre que c'est Satan qui est derrière pour vous voler votre temps de lecture. Enfin, quatrièmement, dans le cadre toujours du vol du temps, du vol du temps de lecture, Satan opère le vol aussi de la quatrième manière, la voici, le vol par la conformité au monde dans la mode ou le style de vie. Le vol par conformité au monde dans la mode ou au style de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Jacques 4, verset 4 dit avec une très grande autorité, et c'est très dur et très triste de voir que les enfants de Dieu ne veulent pas se rendre compte que la chose est écrite clairement. La Bible dit ceci, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et la Bible dit ceci, adultère, Jacques 4, 4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, est ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est tellement clair que nous devons comprendre ça tel que c'est écrit. Alors, ça veut dire quoi de manière pratique en termes de mon programme de lecture? Je vais expliquer quelque chose. Je dirais par exemple, je m'appelle Lévi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai ma Bible à la maison. Maintenant, Satan veut voler mon temps de lecture en me conformant au monde par la mode et le style de vie. Ça veut dire, quand Satan vous conforme au monde, vous pousse à vous conformer au monde par la mode, cela sous-entend que les moyens que vous pouviez mettre pour acheter une Bible, il le met pour acheter un vêtement. Donc, il vous vole votre Bible en vous investissant l'argent de la Bible sur votre corps. Donc, c'est un vol de la parole de Dieu juste en vous conformant à la mode. Autre chose, il peut vous voler votre temps de lecture en vous conformant au style de vie du monde. C'est-à-dire, dans le style de vie du monde, il n'est pas très agréable de sortir une grosse Bible comme ça dans un bus et commencer à lire. On dit, mais ça fait gênant, c'est honteux. Voilà, c'est honteux en fonction de qui? C'est gênant par rapport à quoi? Si c'était gênant, frères et sœurs, alors je vous demande de croire que c'est Satan qui est en train de vous emmener à réfléchir comme les gens de ce monde. Il y a dans ce monde une religion qui est fort exemplaire en matière de consécration. Quel que soit le lieu où ils sont, s'il faut prier, il faut prier. Ils se mettent à genoux, prosternés, ils prient même dans un métro, ils prient même dans un hôtel, ils prient. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont compris qu'ils ne doivent pas accepter que quelque chose leur vole leur temps de prière. Mais aussi, vous voyez donc que s'ils suivaient le monde,
S'il faisait comme le monde le fait, il n'aurait pas prié. Parce qu'il devrait se conformer à quoi? Au monde. Alors, nous qui sommes réveillés, spirituels, chrétiens, vous êtes un enfant de Dieu depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, je crois. Alors, malgré tout cela, vous êtes encore en train de vous conformer au monde. Le monde ne peut pas ouvrir une Bible comme ça, vous ne pouvez pas en avoir. Alors, il peut arriver que vous aussi, vous ayez besoin de lire la parole de Dieu et vous avez votre Bible. Mais le monde vous impose un style. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Alors, si vous voulez lire votre Bible, si votre Bible elle est grosse, eh ben, je vous vois, j'entends souvent dans beaucoup de chefs des hommes de ce monde, ils disent c'est mon problème. Et puis ça dérange qui? C'est ma vie. Mais pourquoi quand vous étiez païen, vous aviez l'audace d'affirmer que c'était votre vie qui allait en enfer, et aujourd'hui en allant vers le ciel, vous ne voulez pas comprendre que c'est votre vie que vous devrez prendre en charge pour aller au ciel? Alors si c'est votre vie, vous étiez courageux païennement, mais soyez courageux spirituellement et chrétiennement. La Bible déclare que l'esprit que nous avons en nous est un esprit de courage et de force. Comment ça se fait que vous avez honte d'ouvrir votre Bible? Comment ça se fait que vous avez honte de mettre dans votre téléphone de la lecture de la parole de Dieu? Prenez le temps de ne plus jamais, n'est-ce pas, suivre le monde, mais prenez votre temps pour lire votre Bible, parce que votre Bible, vous en avez besoin et c'est pour votre bonheur. Si vous ne le faites pas, sachez qu'à chaque fois que vous cachez votre Bible dans votre sac, c'est Satan qui vous vole le temps de lecture. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons dit que Satan est un voleur, égorgeur et meurtrier. Dans sa deuxième action, il égorge. Égorger égale étouffer. Étouffer sous-entend la vie d'une chose que l'on arrête, je vais le dire autrement. Étouffer sous-entend la vie d'une personne que l'on on bloque, voilà, que l'on bloque pour pouvoir l'endormir au fur et à mesure. Dans les films, j'ai vu souvent quelque chose, dans les films des policiers, ils mettent directement le bras autour du cou et les gens s'endorment. N'essayez pas ça chez vous, frère, s'il vous plaît, mais c'est comme s'ils étouffent et puis la personne s'endort. Alors, la deuxième liste des pièges de Satan pour pouvoir égorger notre lecture de la parole de Dieu, la voici. En fait, avant, nous avons donné la première liste, c'était dans le but de faire quoi? De voler. Maintenant, nous donnons la deuxième liste. Cette deuxième liste des pièges de Satan, elle a pour but d'étouffer ou encore égorger. Ok. Satan étouffe votre temps de lecture de la parole de Dieu toujours. Je prendrai quatre points, comme je l'ai fait tout à l'heure, frères et sœurs. Premièrement, étouffé par la mauvaise programmation du temps de lecture de la Bible. Vous devez remarquer qu'on étouffe ce qui a déjà la vie, n'est-ce pas? Alors, quand Satan vous étouffe pour ne pas lire la parole, il étouffe en vous poussant à mal programmer le temps de lecture de la Bible. C'est-à-dire, vous avez la volonté, c'est-à-dire que vous voulez lire la Bible, mais il vous étouffe cela en vous laissant programmer cette lecture en des temps où vous ne pourrez pas lire. Exemple, quelqu'un a la volonté de lire la Bible, mais il aime la lire à minuit. C'est vraiment une mauvaise heure pour lire, n'est-ce pas? Vous êtes tout à fait d'accord. Alors, si cette personne somnole en lisant la Bible, il dira que c'est le diable. Non, c'est d'abord la fatigue du corps. Mais la stratégie qui vous a poussé à emmener le sujet, à emmener le temps de lecture à minuit, c'était une stratégie satanique dans le but d'étouffer votre programme de lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 3, 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, certaines choses faites dans les mauvais moments ne sont pas bien. Un jardinier nous a dit que lorsque vous arrosez les plantes, arrosez-les le matin ou encore le soir quand le soleil est couché.
Il explique que lorsque le soleil est très fort, que vous jetez de l'eau sur une plante, le sol étant très chaud, fait chauffer l'eau qui tombe sur la terre et grille les racines. Alors il démontrait qu'il y a donc un temps pour arroser. C'est bien, j'ai l'envie d'arroser ma plante, mais je dois respecter le temps où ma plante peut mieux consommer. Vous avez envie de lire la Bible, c'est bien, mais Satan va vous pousser à commettre une erreur, d'emmener ce programme dans des moments où vous ne pourrez pas lire. Et là, vous allez dire, j'ai envie, j'aime lire la parole, mais vous ne la lisez pas. Car dans le ciel, ce que vous avez comme désir doit se transformer en action. La Bible parle en disant que quand on sera enlevé, nos œuvres nous suivront et non pas nos sentiments et non pas nos désirs. Ce n'est pas ce que vous avez voulu faire sur terre qui vous suivra au ciel. Non, la Bible dit ce sont nos œuvres qui nous suivront. Si vous n'avez pas lu la Bible, vos intentions de lire la Bible ne vous donneront pas des héritages ou des récompenses célestes. Absolument pas. Deuxième manière d'étouffer notre programme de lecture, Satan étouffe notre temps de lecture de la parole par les préoccupations de ce monde. Il étouffe le temps de lecture par les préoccupations de ce monde. Ça veut dire que Satan sait que vous allez lire la Bible, mais il met dans votre cœur les diverses préoccupations de ce monde. Tout à l'heure, quand on parlait de voler, on a dit qu'il vole par les occupations. C'est différent des préoccupations. Les occupations sont de bonnes choses. Ce sont des choses que nous faisons qui sont bien pour notre vie. Les préoccupations, ce sont les choses qui nous inquiètent, les choses que nous voulons obtenir, mais que nous n'avons pas encore. Bref, des rêves à yeux ouverts. Marc chapitre 4, verset 19 dit ceci, « Mais en qui ?» Lorsque la parole est sémée dans la terre, dans le cœur de quelqu'un, la Bible dit, « Mais... » Cette parole trouve un problème. Ce sont des personnes en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rend infructueuse. Les sentiments et préoccupations des choses de ce monde, les désirs et les richesses, les invasions, toutes ces pensées fulgurantes qui remplissent nos cœurs pour nous pousser à chercher les choses de ce monde, font que notre cœur se désintéresse de la lecture pour se concentrer sur les préoccupations de l'âme. Mais votre cœur a besoin de la parole. C'est une stratégie de Satan d'étouffer non seulement la parole que vous avez en vous, mais d'étouffer même la volonté de lire cette parole juste par les préoccupations. Ce que certaines personnes qui se préoccupent ignorent, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à rechercher ce qu'ils recherchent. Même le millionnaire recherche l'argent, c'est pourquoi il devient de plus en plus riche. Le pauvre aussi recherche l'argent, mais bizarrement, il reste pauvre. La question est, qui cherche quoi? Est-ce qu'il cherche bien? Ce n'est pas le fait d'avoir le même but de recherche qui prouve que nous avons les mêmes stratégies pour y accéder. Donc, le riche sait qu'il doit dormir, le riche fait du sport, mais le pauvre n'a même pas le temps du sport. Il ne prend même pas au sérieux son alimentation. Mais bizarrement, il ne s'enrichit pas. Ça veut donc dire que ce n'est pas le fait d'avoir cette envie exagérée, parce que cette envie exagérée, c'est ça la préoccupation. Ça ne bénit pas, ça vous désaxe et ça enlève de votre cœur le désir ardent de rester concentré pour lire votre Bible. Soyez bénis dans vos maisons et vos familles. En ce dimanche, nous sommes déjà déconfinés à Kinshasa. Vous êtes bénis et nous savons que vous qui nous suivez sur le net, vous continuez à être bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, Satan étouffe encore notre temps de lecture de la parole de Dieu. Il l'étouffe par l'aveuglement dans la relation qui existe entre la Bible et nos autres centres d'intérêt de la vie. Satan nous étouffe la lecture de la parole, le temps de lecture, par l'aveuglement dans la relation. Il vous aveugle sur la relation qu'il y a entre la Bible et nos autres centres d'intérêt de la vie. C'est-à-dire,
La meilleure façon pour Satan d'étouffer votre désir de lire, c'est de vous faire croire que les centres d'intérêt de la vie n'ont pas un lien avec la Bible. Je prends un exemple. La Bible déclare dans 3 Jean, le texte que vous connaissez, chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, je veux prospérer dans ma vie, je veux aussi prospérer parce que mon âme prospère. Donc, il y a une liaison, une relation entre la prospérité de mon âme, l'évolution de mon âme et l'évolution dans ma vie. Il y a cette relation. Quand vous comprenez qu'il y a cette relation, lire la Bible devient très nécessaire parce que vous savez que vous allez en bénéficier dans votre vie de tous les jours. Mais lorsque Satan vous aveugle sur la relation qu'il y a entre vos centres d'intérêt de tous les jours et la Bible, vous allez déconsidérer la Bible et prioriser les centres d'intérêt sans pour autant, n'est-ce pas, pouvoir comprendre que c'est Satan qui est en train d'étouffer votre volonté de lire. Avez-vous compris? Très bien. Quatrièmement, Satan étouffe, il égorge notre temps de lecture de la parole de Dieu par la non-compréhension des Écritures, par la non-compréhension de la Bible, si vous voulez ainsi. Il étouffe notre temps de lecture de la Bible par la non-compréhension des Écritures. Ça veut dire, le texte de Actes 8, 34 nous donne une idée sur les complications qu'il y a quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre ce qu'il lit. Le nuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? » De qui le prophète parle-t-il ? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Ou de quelque autre ? Ce texte montre que l'eunuque ne savait pas ce que disaient les Écritures. Mais juste après que Philippe l'ait expliqué cela, l'eunuque a été baptisé. Autrement dit, l'ignorance de l'eunuque l'empêchait le baptême. L'ignorance de l'eunuque l'empêchait de passer à une autre étape avec Dieu. Le fait de ne pas comprendre ce que vous lisez peut alourdir votre temps de lecture. Parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas l'intérêt, le flot d'intérêt de continuer la lecture. Certains romans que vous lisez, vous les aimez parce que vous êtes emballé dans l'histoire. Et bibliquement, quand on lit la Bible, des fois, certaines personnes remarquent qu'elles n'ont pas le flot parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles lisent. Alors, c'est aussi une stratégie de Satan de nous aveugler pour nous empêcher de voir la beauté et la valeur des Écritures. Un jour, quelqu'un, je pense que cela est arrivé à beaucoup de ceux qui lisent la Bible. La Bible peut vous donner même un fou rire. C'est-à-dire, en lisant les Écritures, vous pouvez vous retrouver en train de vous exclamer et de rire, et souvent même de vous étonner. C'est véritablement la personne de Dieu qui est là-dedans, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Parce que la Bible cache tous les sentiments essentiels pour le bien-être de l'homme. Et tout ça rien qu'en lisant. Mais lorsque vous remarquez que vous ne comprenez pas, c'est une manière pour Satan d'étouffer votre volonté de lire. Au nom de Jésus, que vous soyez libérés de toute attaque de l'ennemi qui vous empêche de comprendre la parole. Amen. Finissons ce message avec la troisième liste des pièges de Satan qui a pour but de tuer votre temps de lecture de la Bible. Troisième liste a pour but de tuer. La première liste avait pour but de voler. La deuxième liste avait pour but d'égorger ou étouffer. La troisième liste a pour but de tuer. C'est une liste dans laquelle j'aimerais que vous puissiez redoubler d'attention. Je lis Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Jacques 4, verset 14 dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Nous allons commencer par évoquer la liste des
piège de Satan qui tue notre vie de lecture de la parole. Premier point. Satan tue notre lecture de la parole. Il tue par le rapport du temps de la lecture, par le report, excusez-moi. Il tue par le report du temps de la lecture de la Bible. Il tue par le report du temps de lecture de la Bible. J'aimerais poser une question à toute femme qui a déjà enfanté. Le médecin arrive et vous trouve en pleine douleur d'enfantement. Et il vous dit, « Madame, ce n'est pas pour maintenant. » Vous savez comment ça vous fait que l'on reporte l'heure ou le moment de l'accouchement? Maintenant, vous avez pris l'habitude de reporter ça. Vous reportez votre temps avec la Bible. Vous savez ce qui peut se créer dans votre vie? Beaucoup de dégâts. Je prends encore un autre exemple. Sachez une chose, que toutes les fois qu'on a envie de faire une chose, on a la force de faire cette chose. Quand vous passez le temps de l'envie d'une chose, vous la faites avec beaucoup de lourdeur. La chose que l'on fait avec envie, on la fait avec passion. La chose que l'on fait sans envie, on l'en fait avec lourdeur et nonchalance. C'est pourquoi reporter le temps de lecture de la Bible parce que il y a eu telle chose, vous voulez faire telle chose, n'est pas sage. C'est une stratégie de Satan pour faire quoi? Pour tuer votre temps de lecture de la Bible. Je sais que quand vous avez entendu ça, vous vous êtes souvenu. Combien de fois vous avez ouvert votre Bible, vous l'avez refermée pour vite faire quelque chose. Mais chose bizarre, vous n'êtes plus jamais revenu faire cette chose. Et pourquoi? Parce que tout simplement, reporter, c'est tuer ce que l'on voulait faire. Deuxième élément, deuxième chose que Satan fait pour tuer notre temps de lecture de la Bible. Faites très attention à cela. Deuxième chose, il tue par des conversations et entretiens fraternels. Il tue par des conversations et entretien fraternel qui ne tourne pas autour de la Bible. La Bible dit ceci, je vais revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Colossiens 3:16. C'est le Jean 3:16 de l'édification. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Christ habite parmi vous comment? Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous pouvez utiliser les psaumes, vous pouvez utiliser les hymnes, vous pouvez utiliser les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur, dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Frère, lorsque vous avez des frères en Christ qui viennent vous visiter, ce n'est pas la chrétienté. C'est quand ils commencent à parler que vous définirez si c'est la chrétienté. La chrétienté ne nous demande pas simplement de nous visiter pour nous voir les visages. Aujourd'hui, WhatsApp, vidéo, n'importe quelle autre application d'appel peuvent nous permettre de te voir. Si tu voulais seulement que je te voie, poste ta photo sur ton statut, je te verrai. Mais si tu viens me visiter par visite fraternelle, même si c'est quand je suis malade, même si quand je viens de perdre mon grand-père, tu devras comprendre et retenir que notre entretien doit tourner autour de la parole. C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne discutent plus autour de la parole que l'amour de la parole de Dieu s'est éteint. Vous devez savoir que quand vous avez des frères en Christ qui ne vous exhortent pas sur ce qu'ils ont lu, rien ne vous poussera à faire quoi? À lire. C'est parce que pasteur Habib Poitiers, mon père spirituel, lit la Bible. Lisait tellement la Bible. Il nous gavait de toujours. J'ai compris quelque chose. J'ai été touché par ceci.
que tu n'avais pas le choix que toi-même de te dire quel est cet homme qui a toujours un langage. La Bible dit, moi je n'ai jamais ce langage. Moi c'est toujours, je sens, j'ai envie, je désire. Vous avez remarqué que les chrétiens de ce jour n'utilisent plus l'expression « la Bible dit ». Quand tu dis « la Bible », on dit « mais toi, si tu aimes trop montrer que tu lises la Bible, que tu lis la Bible », voilà de l'occultisme dans la chrétienté. Ça, c'est de la sorcellerie qui détruit la vie chrétienne. Comment un chrétien qui a l'Esprit de Dieu peut prétendre que son frère est un orgueilleux parce qu'il a dit que c'est la Bible qui le dit? Aucun avocat n'a été orgueilleux en disant que la loi dit ceci. Mais c'est à cause de la plaidoirie de l'avocat qu'il peut sortir un meurtrier de la prison. Comment ça se fait que nous qui avons la vérité, nous ne nous donnons pas la peine d'encourager cette vérité? Nous appelons orgueilleux celui qui dit « la Bible dit ». Nous appelons vantard celui qui dit « j'ai lu ma Bible ». Nous appelons exagéré celui qui cite des versets de A à Z. Aujourd'hui, on ne dit même plus « c'est écrit où ». On dit tout simplement « il est écrit quelque part ». Et ça nous suffit. La bassesse de nos connaissances est en train d'éteindre la chrétienté. Où va ce monde? Un thème qui va être développé bientôt dans les 30 matins à la deuxième rue Compassion. Je vous invite de suivre ça. Ça a commencé déjà hier, le 15. Alors, la Bible dit est une expression des chrétiens. Les chrétiens qui causent ensemble disent « la Bible dit, la Bible dit ». J'ai lu dans la Bible dit, voilà la chrétienté. La chrétienté, c'est pas, mon frère, on va quand même, tu sais que le jeûne qu'on a fait était grave, on va quand même prendre un petit karaoké, un petit shawarma, un petit, comment vous appelez encore, un tacos. Quelles que soient les appellations de nouveaux repas qui existent, ce que vous appelez nouveau ici dans le pays ou bien dans votre nation, ne pensez pas que ce que vous faites pour vous détendre en chrétien, fait de cette détente une détente chrétienne. Absolument pas. Quel que soit le cadre, le milieu, le moment, l'instant dans lequel on est, la parole doit être au centre. De quoi parlez-vous avec vos frères en Christ? À force de discuter d'autre chose que la parole, vous devez trouver, vous allez, le diable vous donnera un sujet pour discuter. Et quand Satan vous donne un sujet de discussion en tant que chrétien, c'est alors que vient, tu as vu le frère, tu as vu la sœur, le pasteur ce jour-là, ce qu'il avait dit, moi j'ai pas aimé. Pourquoi? Vous ne passez pas le temps autour de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Satan tue votre lecture. Sélectionne tes amis. Sélectionne les chrétiens qui t'entourent. Parce que certains ont une mission inconsciente de tuer ta lecture de la Bible. Pour t'aider, quand ils viennent, prends ta Bible, dis-leur, « Ah, heureusement que vous êtes là. J'étais en train de lire le chapitre 2. Lisons ensemble. » Tu vas les éduquer et les ramener dans le chemin. Au nom de Jésus. Finissons. Les deux derniers points, je crois. Très bien. Satan tue notre temps de lecture de la parole. Il tue par la prédication mondaine, sensationnelle, qui ne nous pousse pas à connaître Dieu. Satan tue notre désir de lire la Bible par les prédications mondaines, sensationnelles, qui ne poussent pas à connaître Dieu. Ma Bible déclare la vôtre de même. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous cherchez vous seront données par-dessus. Ma question est donc de savoir, frères et sœurs dans le Seigneur, comment ça se fait que vous qui êtes chrétiens, enfants de Dieu, vous êtes en train de chercher continuellement le voyage, le mariage. Ces choses ne sont pas mauvaises. Mais ces choses-là ne vous poussent pas à lire la Bible. Mais lorsque vous écoutez des prédications qui vous parlent de sanctification, Jésus revient, grandir avec Dieu, une nouvelle huile d'onction, l'Éternel est avec nous, l'Éternel peut t'utiliser puissamment, l'Éternel veut faire des grandes choses avec toi dans son église, gagne les âmes, sauf ceci, fais un disciple, surtout ça. Vous allez lire la Bible, mon ami, et ça va te pousser à lire, à chercher à connaître Dieu. Tous nous savons que Dieu se cache dans le petit livre qu'on appelle, dans nos maisons, quand c'est petit comme ça, la Bible. Pas dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament uniquement, non, dans la Bible, les deux à la fois. Mais lorsque vous êtes en train
de continuellement écouter les prédications qui vous rend, qui sont tellement sensationnelles. C'est pourquoi aujourd'hui, papa, vous, j'ai remarqué une chose très choquante dans le corps des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, il y a plusieurs expressions que l'on donne. Je ne suis pas contre ces expressions. Volume, c'est fort. Augmente, papa. Pousse, monte encore. Frère, si tu m'écoutes dire ça, c'est parce que je suis déjà monté. Avance. Si tu m'écoutes dire ça, c'est parce que j'ai avancé avec Dieu. Volume. Si tes oreilles m'ont entendu, c'est que j'ai un volume suffisant pour te parler. Bref, ce qui se passe ici, c'est que le sensationnel est en train de prendre le dessus sur le spirituel. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous, frère. Si quelqu'un écoutait une parole et puis il dit, waouh, la Bible, c'est la Bible, ou encore quelqu'un dit, mais c'est écrit, encore c'est écrit dans la parole de Dieu. Même moi qui t'entendais ça, je dis, c'est écrit où? Nous avons coutume de dire à l'église, c'est écrit où? Quand tu dis une chose, on te dit, mais c'est écrit où? Oui, tu veux affirmer une chose? Donne-nous un fondement biblique. À force de dire c'est écrit où, le disciple qui est assis, qui entend ça, le nouveau disciple, c'est écrit où, c'est écrit où, c'est écrit où, qu'est-ce qui se passe après? Il se dit, waouh, ces gens-là connaissent quoi? La Bible. Et c'est à cause de cette admiration qu'il finira par lui-même par faire quoi? Chercher à lire la Bible. Finissons. Dernière stratégie, qui est la plus ignorée, qui est la plus délaissée parce que les gens pensent que Satan ne va pas le faire. Oh, il va le faire. Satan tue notre programme de lecture de la Bible, tue notre temps de lecture de la Bible par des attaques démoniaques. Oui, frère. Et j'insiste, attaques démoniaques, même invisibles. Des fois, vous ne vous rendez pas compte que c'est une attaque. Pourquoi on vient toujours vous voir à l'heure de votre lecture? Vous aussi. Comment ils savent pour toujours vous envoyer le bon statut qu'il faut? Vous aussi. Qu'est-ce qui fait que votre main s'alourdit pour enlever la connexion quand vous voyez que les WhatsApp sont en train d'entrer? Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Comment ça se fait que vous avez la conscience d'avoir fait le mal, mais vous n'avez jamais la conscience que je suis en train de faire le mal? Ce que vous comprenez avoir fait, et ce que vous comprenez avant de faire, qu'est-ce qui vous évite de commettre l'erreur? C'est avant de faire. Aujourd'hui, comprenez, frères et sœurs dans le Seigneur, que Satan peut attaquer pour vous empêcher de lire la Bible. Ma parole, ma Bible dit, 1 Pierre 5, 8, vous connaissez ce texte. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il fera tout son possible. Ah oui, c'est ça que vous devez comprendre. Satan va faire de tout. Je dis bien, il mettra toutes les batteries de l'enfer en marche s'il le faut. Bon, peut-être pas de l'enfer, mais il mettra toutes les batteries des ténèbres en marche pour détruire votre programme de lecture de la Bible. Ça sera un combat sérieux. Et que chacun prenne conscience que cette bataille-là, il faut que nous puissions la gagner au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous donne un temps de lecture efficace. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce pour ce temps merveilleux d'instruction, de bénédiction, de méditation de ta parole, d'instruction, de bénédiction et de croissance spirituelle, d'instruction, de sagesse et de méthode, d'instruction, de libération et de salut. Bénis tous ceux qui ont entendu cette parole. Ô Père, emmène la révolution de la lecture. Dans le nom de Jésus. Merci pour cette transformation. Merci pour cette transformation. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse votre vie de lecture. Que Dieu ouvre votre intelligence. Que vous ne tombiez point dans les pièges de Satan qui veut voler, qui veut égorger et qui veut tuer votre programme. Au nom du Seigneur Jésus, que l'Éternel vous écarte de cela. Recevez la force, l'intelligence et la sagesse pour vivre
selon que votre esprit a besoin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une très grande grâce d'avoir écouté ces choses. Je veux vous inviter à un challenge de lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer ce challenge déjà à partir du 30 août. C'est bien ça. Le 30 août, nous commencerons un challenge de lecture. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière. Le 30 août, je vais en parler tout à l'heure. Et on va faire un challenge de lecture de la parole de Dieu. Oui, il faut commencer à faire de telles choses. Soyez bénis, retrouvons-nous après les annonces. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre swift code ROBANK est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101-0011-43-28-002-63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/jlmmission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous venons d'abord rendre grâce à Dieu pour la nouvelle adresse, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant sur avenue Colonel Mpia, au numéro 9, le quartier Joli Parc, à ma campagne. La référence, c'est l'arrêt Saint-Luc, communément appelé l'endroit Lolo la Crevette. C'est une appellation très connue des Congolais, des Quinois. Nous sommes sur avenue Colonel Mpia, numéro 9, quartier Joli Parc, ma campagne. C'est la nouvelle adresse. Et déjà, aujourd'hui, nous sommes ici pour visiter l'endroit. Nous avons un bon déplacement pour visiter l'endroit. Ben, nous allons vous envoyer les photos pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe et voir aussi comment vous pourrez, n'est-ce pas, travailler avec nous. J'invite déjà toutes les personnes aimantes de voir les choses se faire bien et les choses se faire pour la gloire de Dieu, de nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette réalisation. Nous avons donc nos comptes qui sont affichés sur l'écran. Vous pourrez nous envoyer vos donations ou même entrer dans le site internet www.jlnmission.org. Vous allez voir la possibilité de faire une donation ou même le faire dans le site pasteurlevi.org ou même le faire dans tous les sites. Vous pourrez faire une donation à la mission pour permettre que nous puissions aménager convenablement. Bonne nouvelle aussi à Brazzaville, l'église est en train de monter, d'avancer de manière exponentielle. Que Dieu bénisse la mission de Brazzaville, le pasteur Colu à Brazzaville. Si vous voulez aussi soutenir la mission de Brazzaville, vous pouvez le faire pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la mission du Canada à Montréal. Les contacts s'affichent aussi sur l'écran. Nous avons nos missionnaires là-bas. Vous pouvez les contacter et ils vous apporteront édification au nom de Jésus. Deuxième merveilleuse nouvelle, c'est le lancement d'Alliance Academy. Nous avons le lancement prévu pour le 1er septembre. Les cours ont eu du retard, vous avez bien compris, parce qu'il y a l'administration informatique, l'administration digitale qui devait être mise en place. Thank you.
C'est-à-dire que dès le 1er août, on a mis en place un système qui permet à ce que vous puissiez mettre les données d'inscription dans notre Messenger. Et quand vous voyez le Messenger, c'est un assistant digital qui permet de recevoir vos informations. Alors, ayant reçu vos informations par le digital de notre Messenger, vous devez aller d'abord sur la page Facebook Alliance Academy. Quand vous arrivez sur la page Facebook Alliance Academy, vous nous écrivez sur le bouton de Messenger. Donc, vous nous envoyez un message et là, vous écrivez « Inscription ». Dès que vous allez écrire « Inscription », les choses vont s'engager directement et vous allez voir, l'assistant va commencer à vous orienter au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous faire une démonstration, par exemple. Voilà, il vous suffira d'ouvrir la page Facebook Alliance Academy. Et dans cette page Facebook, si vous n'êtes peut-être pas connecté ou abonné, vous pourrez voir le bouton « Démarrer ». Vous cliquez sur ce bouton. Si vous ne voyez pas cela comme ça, vous allez voir directement la possibilité de vous abonner et d'appuyer sur le bouton Messenger. Ici, je prends le cas de quelqu'un qui n'est jamais entré dans la page. Ça lui donne directement la possibilité de cliquer sur démarrer. Et là, en cliquant sur démarrer, vous avez la réponse déjà de notre assistant digital qui vous répond. Bonjour Joël, par exemple ici, l'assistant digital d'Alliance Academy. Voici notre menu. Choisissez parmi ces trois options. Alors, comme là, vous venez d'entrer, vous devez choisir inscription gratuite. Alors, vous cliquez sur inscription gratuite parce qu'Alliance Academy est l'école en ligne qui nous fait grandir, mais c'est d'abord aussi une école gratuite. Alors, quand vous cliquez sur inscription gratuite, directement, l'inscription commence automatiquement. Bienvenue Joël dans notre formulaire d'inscription. Quel est votre nom complet? On vous demandera le nom et vous allez remplir au fur et à mesure. Et c'est parti pour l'enregistrement, l'inscription. On va faire un petit test ici. Joël Kateba, voilà, il envoie. C'est parti. Après, l'assistant vous pose la question, votre pays de résidence. Parce qu'on veut savoir là où vous êtes pour pouvoir connaître les fuseaux horaires et disposer les cours dans une heure qui correspond à tous. Alors Joël, je prends l'exemple, j'écris Congo. Voilà. Et après, ça donne votre ville. Il écrit Kinshasa. Au fur et à mesure, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes déjà en train de le faire chez vous? Allez, c'est une très bonne chose. Faites-le, enregistrez-vous directement. Êtes-vous né de nouveau? Ça pose la question. Vous devez répondre par oui ou non. Il dit oui, ça passe. Voilà. Avez-vous déjà été baptisé d'eau par immersion? Très important aussi. Il dit oui, ça passe. Au fur et à mesure. C'est pas beaucoup de questions. Là, déjà, on est presque à la fin. Faites-vous partie d'une église locale? Oui. Il écrit. Ça donne une réponse. Avez-vous déjà été baptisé du Saint-Esprit? Il dit oui. Si vous n'avez pas encore été, vous dites non. Comment avez-vous entendu parler d'Alliance Academy? Par Google, par post Facebook, par un ami, par une prédication? Voilà. Ça passe. Quel est le nom de votre église? Je crois que Joël, c'est bien Terre Sacrée. Voilà. Il écrit. Il envoie. Voilà. Ça passe. Que faites-vous dans l'église? Du coup, c'est un protocolaire. Il envoie. On aimerait savoir ça pour savoir le nombre d'ouvriers que nous avons pour fournir des enseignements pour les ouvriers. Et là, c'est fini. Merci d'avoir rempli votre formulaire, Joël. Vous êtes maintenant inscrit à Alliance Academy. Il ne vous reste plus qu'à confirmer votre présence dans la classe. Cliquez ici et écrivez « présent ». C'est tout. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'est très intéressant, inscrivez-vous. C'est ce système qui nous a pris un peu de temps, c'est pourquoi nous avons accusé du retard. Quand vous allez remplir, nous aurons les informations. Et le 1er septembre, sans faute, c'est le premier cours d'Alliance Academy, l'école en ligne qui nous fait grandir.
Gloire à Dieu. Nous rappelons aussi les programmes suivants. Allô Grossesse, c'est l'émission de chaque jeudi qui passe sur la page Facebook Pasteur Lévi Kongolo, sur CNTV. CNTV est une chaîne câblée connectée sur TNT, le canal 22, et sur Easy TV au canal 122. La radio aussi Trinitas 102.2 FM, nous sommes là à 17h. Et sur la radio B1, nous passons au 87.8 FM. Sur Canal Plus, vous pouvez nous avoir sur le canal 529. Et ça, c'est à 20h. Très bientôt, vous aurez sur les réseaux sociaux et les chaînes, ainsi que sur B1, n'est-ce pas, la grande émission, le grand plateau d'Allo Grossesse. Je vous réserve la surprise pour voir le contenu. Soyez richement bénis, que Dieu bénisse le retour des cultes. Cependant, qui dit retour des cultes ne veut pas dire distraction. Vous devez savoir que les gestes barrières existent très, en tout cas bel et bien. Prenez donc vos précautions, car je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Mais comme prospère l'état de votre âme, j'ai oublié quelque chose, que vous soyez en bonne santé. Alors vous devez être en bonne santé, et sans votre santé, il n'y aura pas dimanche prochain. Alors prenez soin de vous, s'il vous plaît, dans les églises, soyez sages. Que Dieu vous bénisse. Prions. Que l'Éternel vous bénisse, recevez la paix de Dieu, recevez la grâce du Seigneur. Que l'Éternel soit avec vous, vous accompagne par son autorité et sa faveur. Aimez la parole de Dieu, lisez-la abondamment. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Amen. À dimanche prochain. Bye bye.